On bosse dans l'animation 3D notamment. Après, on va avoir trois gros secteurs. On va faire du montage, de la pure animation 3D, et aussi tout ce qui est intégration. Donc, on va se déplacer sur les plateaux de tournage, faire de la supervision VFX, et après récupérer les footage et faire notre micmac après sur ordi pour intégrer, rajouter des éléments, etc. On travaille beaucoup pour tout ce qui est événements e-sportifs. Donc, nos gros clients sont Red Bull, Ubisoft, Team Vitality, qui est la première team e-sportive, on va dire, de France. Même d'Europe, je pense. Pas loin. Je pense. Et on a travaillé pour qui encore? Des gros secteurs du médical aussi, comme General Electric. Je crois que c'est pas mal. Après, vraiment, le truc sur lequel on veut se fixer, c'est vraiment ce qui nous plaît, c'est tout ce qui est jeux vidéo. Donc, trailer de jeux vidéo. Alors, on va faire des vidéos pour prendre des tournois, etc. Donc, c'est vraiment vers là qu'on a envie de s'axer, quoi. On a un studio qui est assez jeune et pour l'instant on est vachement dans l'expérimentation. Donc on teste plein de choses, on n'a pas, genre si on demande une DA particulière, on n'en a pas spécialement. On va vraiment faire tout ce qu'on peut, réfléchir avec le client ce qu'il veut, etc. On va expérimenter et je pense que ça viendra avec l'expérience parce que le studio est assez jeune, ça fait que 3 ans qu'il existe. Donc pour l'instant on est un peu touche à tout et puis je pense qu'au fur et à mesure on va avancer, on pourra créer aussi notre propre projet et là aller vers un style de DA. Après, on est beaucoup porté dans le montage très dynamique, c'est quelque chose qui nous plaît, et sur des formats de vidéos qui sont très courtes. Ouais, c'est vrai. Donc on va pas aller pour l'instant faire des vidéos de 10 minutes ou je sais pas, on va rester dans la minute, 2 minutes quoi, grand maximum. Après, le studio est quand même très porté aussi par le storytelling. Ça veut dire qu'on a un côté narratif qui est vraiment très très important. C'est vraiment une valeur forte au sein du studio. C'est-à-dire que quand avant on parle avec toute l'équipe, parce que tout le monde a son mot à dire sur nos productions, c'est plutôt chouette. C'est pas juste Simon ou moi, c'est ensemble, on discute tous les matins et il faut que les images aient un sens, forcément. Après, des fois, le côté créatif passe avant, mais le sens est primordial. Quand on débute dans la 3D, surtout que nous, on est dès sortis de l'école, on a monté le studio en fait, lui il y a quelques années et moi il n'y a pas longtemps. Du coup, faut se faire un nom. Et la 3D, c'est relativement cher pour, on va dire, le commun des mortels. Et du coup, on va plutôt faire du motion design au début, faire des vidéos qui sont assez peu onéreuses, etc. Et là, on commence à rentrer dans la cour des grands, à faire de la 3D, et notamment sur un dernier projet pour Red Bull. Donc c'est pour un tournoi e-sportif qui va se passer sur Age of Empires. C'est un jeu qui date un petit peu. Et du coup, là, on a fait tout, donc c'est entièrement fait en 3D. Et on est sur une table stratégique militaire un petit peu à l'ancienne, comme les pièces d'échecs. Et du coup, nous, on vient faire des plans macro dedans, donc c'est super chouette. Donc ça, c'est extrêmement créatif, ouais. Ouais, celui-là, il cartonne pas mal, donc il est super cool. Comme on bosse beaucoup dans le jeu vidéo, et notamment l'e-sport, le monde du sport est automatiquement lié. On bosse pour du tournoi, on bosse pour... Il y a des transferts entre joueurs, enfin, c'est vraiment des mondes qui sont très, très proches. Donc quand on va regarder un petit peu ce qui peut nous inspirer, on va regarder pas mal de boîtes qui ont déjà fait des montages pour, je sais pas, la Coupe du Monde par exemple de foot ou ce genre de choses là. Après il y a quelques gros studios qui nous parlent beaucoup, Fortiche Prod, Unit Image, Blur Studio par exemple, parce que voilà, eux ils bossent dans le trailer par exemple de jeux vidéo, c'est des choses qui nous portent sur quoi on aimerait bien tendre. Donc voilà, forcément on va être amené à aller regarder ce qu'ils font et leur façon de bien monter. C'est pas bon ceci. C'est pas bon ça, ouais. Ouais, pour le côté fun, parce que vraiment ils ont une notion, et en plus on a discuté un petit peu avec eux, avec les gérants de Soupa, pour voir un petit peu leur approche du métier, ainsi que leur vision de l'animation 3D dans son ensemble, et puis avoir des tips, des conseils de leur côté, pour voir comment est-ce que nous pouvons grossir, bien grossir, et puis pas faire les choses n'importe comment. C'était très intéressant, ça a duré une heure. Parce que Valentin du coup est venu aussi avec son carnet de contact, parce qu'il a travaillé dans les studios, alors que Sim et moi pas du tout. Nous, on est directement sortis de l'école et depuis un an, on s'ouvre vraiment beaucoup plus aux personnes qui sont autour pour échanger et pour parler. On ne voit pas la concurrence d'un mauvais regard, quoi. C'est vraiment un échange de bons procédés, ouais, de partage. Pierre et moi, chacun, on va gérer un des projets en gestion client, etc. Et après, on se partage les effectifs. Là, j'ai besoin de ça parce qu'on est dans le rush. Est-ce que ça ne te dérange pas si je te prends Donc voilà, on discute comme ça pour savoir comment on peut se répartir le monde. Mais globalement, on est entre 3, 4 par projet, quoi. Et puis, les gens sont généralistes, mais ils ont quand même une spécialité dans le projet. C'est-à-dire que, par exemple, Simon, lui, fera beaucoup d'éclairage, beaucoup de lighting, comme on peut voir en animation 3D. Et moi, je suis plus sur la finalité d'un point de vue compositing, post-production et montage. Voilà. Après, on a Valentin, mettons, qui est avec nous aussi et qui vient de chez Sony Vancouver
et qui lui est un expert en tout ce qui est effets spéciaux et qui en plus, avec sa deuxième casquette, c'est de gérer tout le pipeline du studio, la gestion des fichiers, le côté hardware qui est hyper important. On aimerait bien rester en petite équipe, c'est difficile parce que plus on a des projets, plus on doit aller chercher du monde, plus il y a des charges, etc. Donc souvent on est pris dans une espèce d'engrenage, on l'a vu, hein. Dès qu'on a 3-4 projets d'un coup, tout de suite on monte très vite en production, en charge, etc. Et du coup, quand les projets s'arrêtent, il y a un peu le revers de la médaille où faut payer tout ce monde, on a plus de matos, plus de logiciels, etc. Et du coup, on a vraiment essayé de maîtriser un peu notre façon de grossir. Donc ça a été un conseil qu'on nous a donné, notamment chez Soupamonk, c'est vraiment, vous allez voir, c'est bien de vouloir rester petit, parce que nous, c'est clairement ce qu'on a envie, parce qu'on n'a pas envie de venir à un gros studio, c'est une quinzaine de personnes, mais c'est difficile de rester en fait. Une fois qu'on est pris dans l'engrenage, comme tu dis, c'est compliqué.